Bonsoir, bienvenue à la médiathèque musicale de Paris. On est ravis de vous accueillir pour ce mi-temps de notre cycle autour des qu'on a intitulé les musiques occitanes à l'épreuve du temps. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà venus aux premières séances qu'on a faites. On a pu accueillir Jacques Puech qui travaille avec l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne, qui est notre partenaire en fait sur ce cycle. Il nous a prêté des instruments, nous a aiguillé vers différentes ressources pour préparer ce cycle. On l'a pensé ce cycle comme une histoire de parcours sur les musiques traditionnelles en partie, mais pas uniquement sur les musiques occitanes en fait, des troubadours jusque sur dur, par exemple. Avec l'idée d'aborder plusieurs formes, on a eu une conférence introductive, on a eu une soirée autour de la vielle à roue avec un facteur de vielle que Ernest nous a indiqué. C'était une très belle rencontre avec Joël Troneker, si jamais vous étiez là. Si vous n'étiez pas là, la vidéo en ligne depuis aujourd'hui, vous cherchez sur notre chaîne YouTube. C'était absolument passionnant sur l'histoire de la vielle et son parcours de facteur de vielle. C'est quoi la réalité d'être luthier, de faire de vielle à roue aujourd'hui en 2021. Aujourd'hui, j'y reviendrai, c'est Ernest, et la semaine, le 20 novembre, on a un concert des Conteuses de Pâques, un concert plutôt familial, on va dire, c'est un samedi après-midi ouvert à tous, qui est là plus sur les musiques traditionnelles françaises, dont auvergnate, mais plus généralement française. Le 25 novembre, on a quelque chose d'un peu plus pointu, mais qui s'avère passionnant, c'est on accueille Éric Desgrugillers, pardon. Qui en fait travaille aussi à l'AMTA et qui s'occupe des archives et qui des sonores de l'AMTA. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment on archive, comment on sauvegarde, comment on promeut les musiques traditionnelles aujourd'hui voilà, dans une institution, mais avec des gens qui travaillent au quotidien sur ces questions-là. Et on finit, il y aura une sieste musicale. Ça, ce sera vous. Il y a un petit flyer qui traîne, vous pourrez retrouver tout ça, toutes les dates. Une sieste musicale autour de cette thématique-là. Et on finira le 11 décembre avec un bal. Un bal, ici, on en a fait plusieurs, ce sera un bal folk avec le trio Barreau Vert. Des Barreaux Verts, donc c'est Michel Esbelin, donc qui était, encore une fois, quelle surprise, aiguillé grâce à Ernest. Et donc c'est un trio de cabrette, accordéon et banjo, et ça sera un vrai bal à l'ancienne. L'ancienne au meilleur sens du terme. Hein. Donc vous êtes tous les bienvenus le 11 décembre. Et maintenant, c'est Ernest qui va nous faire découvrir. En fait, à chaque fois qu'on fait un cycle thématique, on invite un artiste, on propose à un artiste de s'emparer d'une partie de nos collections, parce qu'on a un fonds conséquent de 100 000 vinyles à peu près. Donc, il y a de quoi faire dans tous les styles. Et de prendre un pan de cette discographie et d'essayer de se l'approprier pour faire une création, une sorte de résidence d'artiste. Donc, on en parlera un peu après le concert. Que va nous proposer Ernest, la façon dont il a appréhendé ses disques, comment il a travaillé. Mais avant de répondre à ces questions, on va écouter c'est les morceaux qu'il a préparés spécialement pour nous ce soir. Thank you.
de la position debout à la position assise. Ça, c'est strictement traditionnel. C'est dans l'ADN des chansons. Il y a des chansons debout et des chansons assises. Alors, j'ai donc pris un certain nombre de disques qui m'ont été numérisés et qui m'a fallu éplucher un peu. Et c'est jamais, à la fois c'est super, c'est jamais évident non plus de savoir quoi faire avec de la matière enregistrée. Il faut trouver une façon d'entrer, une façon de raconter des choses avec. Et là, curieusement, en fait, je me suis retrouvé avec une catégorie de chansons qui est revenue un peu tout le temps. C'est-à-dire que j'ai trois chansons qui sont quasiment la même chanson à la base. C'est une catégorie, c'est une famille de chansons qui tournent autour de la même thématique, à savoir celle d'une jeune femme que ses parents marient parce que ça les arrange d'une façon ou d'une autre. Souvent, il la marie à un vieillard qui va mourir bientôt et de qui la jeune fille pourra avoir un certain héritage, ce qui sera profitable à la famille. Voilà. Et donc c'est une catégorie de chansons que les gens chantaient, qui a beaucoup été chantée. Aujourd'hui, on a un peu du mal à appréhender ce genre de thématique-là, puis c'est pas beaucoup en lien avec une réalité qu'on connaît ici, en tout cas en France. Mais c'était très chanté, et les gens, d'une manière générale, c'est quelque chose qui chantait non pas avec un esprit dramatique, mais plutôt avec quelque chose de léger et d'humoristique. Alors c'est là que c'est compliqué, c'est qu'il y a quelque chose de dramatique à l'intérieur, c'est souvent des histoires de souffrance, c'est souvent des histoires l'intérêt de la famille passe par-dessus la personne, et finalement, les gens, ils chantent ça à la veillée, ça a une thématique assez légère, souvent c'est des tempos assez enlevés. Là, en fait, c'est plutôt celle que je viens de chanter, donc c'est une chanson de cette catégorie-là. C'est plutôt une chanson de danse, de ronde. Il y a l'espèce de refrain, la Ogégé, l'Ondarinou qui revient tout le temps. Ça, c'est un truc qui sert vraiment normalement à relancer la danse. Donc c'est plutôt des trucs joyeux. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que ça fait si je renverse le truc et je me connecte avec la dimension profondément dramatique de cette situation pour plein de jeunes filles. Voilà. Mais pour dire que dans la façon de les chanter, c'est plutôt quelque chose de léger et qui portait à rire. Et je pense que c'est pas tant une moquerie dirigée vers ces figures-là que quelque chose de nécessaire pour la communauté. Quelque chose qui finalement fait du bien. Parce qu'on sait que derrière il y a de la souffrance et que c'est des choses qui ont pu arriver un peu à n'importe quelle femme à un certain moment. Voilà. Donc il va y avoir celle-là que j'ai faite, voilà, et d'autres qui parlent de Rosette. Rosette, c'est ce personnage de la jeune fille qui est mariée à un vieux monsieur. Il y en aura deux autres. Voilà. Donc je vais continuer sur cette thématique-là avec une chanson qui parle de Rosette. Alors cette Rosette-là, elle n'est pas mariée à un vieillard. Elle est mariée à un étranger, quelqu'un qui n'est pas du pays. Voilà. Je remets dans le contexte, ça vient de... C'est assez pénible cette espèce de réverb là. Hop, voilà. Non, ça va s'arrêter. Je remets donc dans le contexte, c'est une chanson qui a été collectée auprès d'une chanteuse ardéchoise, plutôt de la région d'Aubenas. Voilà. Et dans un coin où il y avait pas mal d'industrie, et donc là on parle d'un étameur. La Rosette est mariée à un étameur, et un étameur qui n'est pas du pays, Estamaï. Tout est en occitan, vous allez entendre qu'il y a des choses qui ressemblent au français, faites-vous confiance. En général, quand vous reconnaissez un verbe, il y a de grandes chances pour que ce soit le bon. Des fois, j'expliquerai, mais en fait, je ne peux pas traduire tout. Voilà, on dirait que quelqu'un chante en français en même temps que moi. J'ai la vie de la marée.
À la prochaine chanson,
À la base, c'est pas une chanson, c'est juste une sorte de poème, une sorte de texte qui a été. Alors, ce que j'ai comme note, c'est un monsieur Manson qui l'a dit. Donc là, on est toujours en Ardèche, sur la commune de Niègle, à côté d'Aubenas. C'est vraiment un bon point. Et c'est donc un monsieur qui dit ce texte et qui parle d'un monsieur, d'un certain Paul, qui semble être présent en résistance. Et qui revient au pays. Donc il quitte l'administration, certainement à Paris, on ne sait pas quelle administration, et revient au pays. Et donc c'est une espèce de bohème comme ça, avec qui brosse un peu une image à la fois très vraie et un peu idéalisée du retour au pays. Voilà, et donc c'est « Notre Paul s'en va ».« Notre Paul s'en va ». Thank you.
j'ai toujours entendu dire qu'un petit ici vaut mieux qu'un grand chez les autres. Voilà, pour dire, ce petit lopin de terre que je travaille me suffit. Voilà, c'est la conclusion du texte. Et je souhaite ça à ce monsieur Paul qui revient au pays. Voilà, c'était dans les années 70. Hein. Je vais faire ce qu'on appelle un tubard. C'est-à-dire un tube de musique traditionnelle. Thank you.
un gros tube de la chanson de trad en occitan. La version d'après laquelle je la tire, c'est celle de Rosina de Peira, qui était une chanteuse assez formidable, qui a chanté plein de musique traditionnelle, qui a été vraiment un peu une espèce de figure du revivalisme et du mouvement occitan dans les années 70-80. Donc vous pouvez voir les disques là-bas, il y a carrément une vitrine Rosina de Peira, voilà, qui était une chanteuse formidable, et qui a eu, pour la petite histoire, un détour, un crochet intéressant dans sa carrière de musicienne, puisque il s'avère que les Japonais, au Japon, il y a force amateur de musique traditionnelle française, et spécifiquement de tout ce qui touche à l'Occitan, et qu'il y a un groupe du nom de Acid Mother Temple, pour ceux qui connaissent, qui est donc un groupe de rock psychédélique assez dingue japonais, complètement fan de Rosina de Peira, qui sont rentrés en contact avec elle et qui lui ont dit « Rosina, on veut faire de la musique avec toi ». Et ils ont fait des concerts ensemble, et il y a même un disque qui existe. C'est pour dire que des fois, il y a des espèces de rencontres comme ça qui arrivent. Ok, maintenant, ça c'était pour les chansons sérieuses, maintenant je vais faire une vraie chanson conne. Du coup, c'est une chanson de... Donc, un diron, c'est beaucoup de branchements pour des bêtises. Ça, c'était
il se met le gros, il hochait les fesses, il levait les mains et il disait « Ah, la belle amène !» La belle amène, c'est le bel avoine. Voilà. Donc après, c'est, il sarcle, après il coupe, après il bat, ensuite il mange et après il chine. Voilà. Ça fait partie des trucs que les gens chantent et ça les fait rire. Catherine de la musique traditionnelle. Qu'est-ce qu'il faut pour cette dernière chanson? Ah oui, c'est encore du deux. La belle petite rosette.
Merci beaucoup Ernest. On n'est pas une salle de concert, on va en profiter. Et on va profiter un peu de temps pour qu'Ernest ait qu'on dialogue un petit peu pour poser quelques questions, dialoguer. Moi j'en ai quelques-unes, mais si vous en avez, faut pas hésiter, j'ai le micro, soit vous parlez fort, soit... Avec moi aussi. Voilà. Soit j'en ai un non-fil. Je voudrais vous demander, comment s'appelle le premier instrument dont vous avez joué? Ça c'est un dotar. C'est un instrument principalement qu'on trouve en Iran et en Afghanistan. Enfin en Afghanistan si les talibans n'ont pas tout cramé. Voilà. Et c'est de la famille des luths à longue manche. Il y a deux cordes. Tar ça veut dire corde. Do ça veut dire deux cordes. Voilà. C'est très simple et pour moi qui ne sais pas quoi faire des six cordes d'une guitare, je suis très content avec ça. Voilà. Quand on s'était rencontrés pour préparer un peu la façon dont on allait travailler, nous on t'avait interrogé sur un peu ton parcours parce qu'en fait aujourd'hui tu habites dans le Cantal, je crois, en Auvergne. Dans Puy-de-Dôme. Ouais. Mais tu n'es pas originaire de là et voilà, ce serait intéressant, il y en a qui connaissent le parcours, mais comment tu es arrivé à ce répertoire-là? Parce que tu ne viens pas de ce répertoire-là, tu ne viens pas des musiques traditionnelles, a priori. Ouais. Alors, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, du côté de ma mère, en fait, la famille est originaire du Puy-de-Dôme. Depuis très très longtemps, ça remonte au moins à la Révolution et peut-être même encore plus loin. C'est des familles qui sont ancrées dans le Livradois, qui est un parc régional. Voilà, et moi, gamin, j'y ai été beaucoup, mais j'ai jamais entendu parler ni de la musique, ni de la langue, ni de la danse, jusqu'à l'année de mes 21 ans. Quand j'étais en formation pour passer mon diplôme d'état de professeur de musique à Lyon. Et je me suis trouvé dans la même promotion que Jacques Pehèche, que vous avez reçu ici, notamment, avec qui je suis devenu très copain. Et on s'est trouvé plein de points communs alors que nos disciplines respectives de musique étaient fort éloignées. À savoir que moi, j'étais vraiment dans la musique électronique, plutôt dans la musique expérimentale. Et lui découvrait ça à ce moment-là. Et moi, je découvrais avec lui les musiques de tradition populaire du Massif Central. Et je me suis pris une sacrée raclée quand j'ai découvert qu'en fait, c'était en Auvergne, les gens étaient d'expression occitane, à savoir que c'est un dialecte occitan, voilà. Et qu'en fait, moi je l'avais entendu, j'associais ça plutôt à Marseille et à Toulouse, parce que gamin j'avais entendu les Fabulous Troubadours et Massif Sound System, c'était mes références. Et donc ça m'a un peu renversé le monde quoi, dans la tête. Et je me suis dit, ah ok d'accord, le pays tel que je le conçois, le pays appelé la France tel que je le conçois, c'est en fait très loin, très très loin d'être un truc définitif et valide pour moi. Et donc à mesure que j'ai avancé, en fait, j'ai voulu en découvrir plus, sans idée de mélanger ça avec ma pratique, mais vraiment parce que j'étais curieux de ça et que je voulais apprendre. Je voulais apprendre les danses, je voulais apprendre à danser la bourrée, je voulais apprendre à jouer un peu ces musiques-là, à chanter des chansons, à faire partie des moments de fête, pouvoir participer. Et donc de fil en aiguille, je suis rentré dedans et puis ça a modifié mon approche de la musique en général, jusqu'à voilà, faire du violon, apprendre la langue, etc., etc. Justement, la langue, c'est la chose qui peut être pas un triple plus, mais voilà, d'apprendre un répertoire où c'est une autre langue, est-ce que tu parles aujourd'hui l'occitan, tu le lis par exemple, toutes les chansons que tu as préparées, c'était à partir de textes que tu as trouvé dans des disques, par exemple, je crois celui-là, un objet assez bizarre dans lequel tu as trouvé des paroles, enfin voilà, ce rapport à la langue occitane, comment tu l'as appréhendé? Donc au début, j'ai appris avec des chansons. En fait, moi, je voulais chanter les morceaux que j'entendais, les choses qui me plaisaient. Et donc, j'y écoutais. En y écoutant, j'essayais de comprendre où commençait une phrase, où elle finissait. J'essayais de délimiter les mots.
Parce que, en fait, c'est le point de départ, hein, savoir comment on délimite. Est-ce que c'est un phonème qui fait partie d'un mot ou est-ce que c'est le mot suivant, enfin toutes ces choses-là. Et donc, au début, bah, en fait, n'ayant pas fait de latin, n'ayant pas fait d'espagnol, n'ayant pas fait d'italien, j'avais pas toutes ces portes d'entrée assez facilitantes pour l'occitan, mais en fait, j'ai appris en cherchant avec des dictionnaires, en cherchant, en regardant des traductions. À force de lire des traductions, bah, en fait, j'ai appris à reconnaître des mots et je passais des heures à écouter en boucle des toutes petites portions pour reproduire la prononciation, pour comprendre ce qui se disait, et ça m'a appris beaucoup de choses. Et par la suite, en fait, de toute façon, très vite, j'ai eu envie d'apprendre cette langue. Par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir faire des stages de conversation qui m'ont beaucoup aidé. Et puis, bah, aujourd'hui, ma foi, je la parle avec les gens qui la parlent quand c'est possible, et je l'écris. Voilà. Et par exemple, la fin de la dernière chanson, là, le dernier texte, c'est une. J'ai rajouté un paragraphe. Quoi. Pour résoudre l'histoire, la pauvre Rosette qui avait été mariée forcée, eh ben, je l'ai fait se divorcer à 14 ans et demi. Elle se marie à 14 ans et demi, je l'ai fait se divorcer à la fin. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça, en fait. L'écriture, ça a commencé en changeant un mot pour un autre, en rajoutant des couplets. Et de fil en aiguille, bah, je me suis trouvé à vraiment écrire des paragraphes, puis bah, à écrire des chansons. Voilà. Ouais, y a une question qui m'intéresse beaucoup et qui me questionne, c'est on a l'impression d'assister à un regain d'intérêt, alors, d'une part par une scène plus jeune, très actif sur ces musiques occitanes, sur les musiques traditionnelles au sens très large du terme, avec des collectifs qui sont plus sur la lumière, comme la Novia, qui vont emmener des instruments du répertoire dans des terrains plus expérimentaux. On a vu un groupe comme San Salvador sur les polyphonies qui a gagné un prix un peu bizarre, c'était le prix des musiques du monde, des victoires de la musique du jazz, donc la catégorie musique du monde, des victoires de la musique, mais toujours est-il que c'était mis sous. Nous, en tant qu'institution, on s'intéresse à ces questions-là. Je ne sais pas trop ce que ça raconte de notre temps. Est-ce que ça raconte quelque chose? Est-ce que c'est juste un intérêt purement artistique? Ou est-ce que le fait de se réintéresser à nos musiques traditionnelles et pas seulement figées dans le temps, mais au contraire, avec des nouvelles formes? Il y a du rap occitan, il y a plein de formes. Enfin, voilà, je me demandais si tu avais un avis ou une vision là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose de politique? Est-ce que c'est simplement esthétique, artistique? Je pense qu'en premier lieu, pour beaucoup de gens, c'est politique. C'est politique, mais dans un sens très, très lié à des notions d'ancrage, des notions de projet collectif. C'est beaucoup les associations qu'on fait du collectage, qui se sont construites pour organiser des balles, pour transmettre, etc. C'est souvent des collectifs très forts avec des gens qui passaient beaucoup de temps ensemble, qui organisaient beaucoup de choses de façon très bénévole et qui continuent encore aujourd'hui. Et en France, on a un milieu, on va dire, de gens qui pratiquent toutes ces musiques, ces danses et qui sont dans ces cultures-là, un milieu qui est très fort et qui est installé depuis la fin des années 70. Et c'est un peu le terreau sur lequel ont démarré plein de jeunes groupes, de générations plus jeunes, dont les San Salvador, c'est le cas. Et donc, il y a une assise vraiment de mouvements, on va dire, engagés, militants, au départ. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, déjà d'abord, on n'a pas. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais. On n'est jamais seul à avoir une idée. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à un truc, à un moment, en fait, il y a quand même de fortes chances pour que cette même chose puisse intéresser d'autres gens qui vivent en même temps dans un contexte proche. Et je crois que moi, j'avais le désir. J'ai eu le désir d'aller plus loin avec ces objets culturels que sont les musiques et danses traditionnelles. Et la langue occitane, et je pense qu'en fait
l'intérêt que j'ai moi, c'est un intérêt qui est lié aussi au monde dans lequel j'ai grandi et à la génération dont je fais partie et à ce qui s'est passé avant. Et en fait, moi je le ressens en tout cas, je peux parler de moi et je pense que ça fera écho pour certaines personnes. Pour moi, ça a été aussi une espèce de moment de reconnaissance de quelque chose, de se dire « ouais, là en fait je me sens appartenir à quelque chose ». Et l'appartenance, c'est pas un truc négatif, c'est pas un truc de facho, c'est pas un truc, c'est pas forcément un truc enfermant en fait. Et c'est une autre définition de l'identité, de ce qui nous fabrique en fait. Oui, pour moi, il y a une dimension, il y a la culture occitane dans ce qui me fabrique, mais au même titre que le rap américain. Au même titre que le graffiti, enfin voilà, plein de choses en fait qui me nourrit, mais ça pour moi aujourd'hui c'est devenu des points de repère forts et que je partage avec des gens. Je me sens pas seul avec ce truc là et pourtant j'ai ma façon de faire, ça supporte aussi les singularités et je pense qu'aujourd'hui on va vers ça parce qu'en fait on a aussi besoin de cet ancrage. On a besoin de créer de l'ancrage dans nos vies, en fait, en général, quelle que soit la manière. Voilà. Pour moi, ça part de ça, ça part de l'ancrage. Et après, sur la question de la langue, ça touche aussi vraiment à... Je pense qu'il y a une forme d'émancipation aussi d'un modèle imposé, d'un modèle d'identité nationale imposée, en fait. On nous fabrique français. On nous fabrique à l'école français. On est français quand on naît dans une famille française, mais il y a une fabrication de l'identité française qui est encore en élaboration. Et je trouve ça intéressant, il y a mille façons d'être française ou français. Voilà. Et je pense qu'on a affaire à des gouvernements successifs qui ont ont de très grandes difficultés à embrasser cette chose-là et même à accepter d'y penser, voilà, et depuis longtemps. Très bien. en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a en tout cas un vrai intérêt, une vraie scène, puisque, comme je disais, il y a une discographie pléthorique et comme je disais, avec des singularités, et c'est super riche, dans le meilleur sens du terme. Non, ça regarde. J'avais juste un truc à dire à propos aussi de pourquoi maintenant, et qu'est-ce que ça veut... En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? En fait, moi, j'ai des références d'autres musiques et d'autres pratiques dans d'autres parties du globe. Quand je les écoute, je me dis, mais pourquoi on n'a pas ça en France? L'équivalent. J'écoute du raï et je suis là. Mais le raï d'aujourd'hui, le shahabi, l'électro-shahabi égyptien, tous ces trucs-là. Des trucs où je me dis, mais c'est le bon sens. Bien sûr que ça existe. C'est obligé que ça existe. Et en fait, c'est juste que nous... La chaîne de transmission et de création dans les musiques traditionnelles, elle a été rompue, elle s'est arrêtée en fait, la création s'est arrêtée. La création populaire s'est arrêtée, elle s'est déplacée ailleurs, elle s'est déplacée plutôt dans... Il y a eu la variétisation en fait, la variété a pris beaucoup de place. Et les gens chantent moins, connaissent moins de chansons, etc. Donc il y a un truc qui s'est rompu, mais à d'autres endroits sur le globe, ça n'a pas été rompu et ça continue. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est juste recréer ce lien. Et on est en train de le faire, j'ai l'impression. Il y a l'étincelle de quelque chose. Mais moi, je souhaite que ce soit quelque chose de normal, en fait. Ça fait partie du paysage de la musique. Toutes ces musiques-là, elles peuvent avoir leur place au même titre que de la pop, de la techno, en fait, en même basse, rap, que sais-je, quoi. Voilà. Et je pense que c'est progressivement un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est en train de prendre sa place. Ah, merci beaucoup. Je veux juste compléter, mais en fait, tu as des régions de France, je pense à la Bretagne, à la Corse, où l'identité est restée très forte quand même, tu Absolument. Vois, la musique est restée très forte, et c'est vrai que tu as ce vide, je suis limousine donc je peux en parler, tu vois, ce vide du centre France où en effet on a oublié notre musique, il y a d'autres, même à Paris finalement, c'est quoi la musique traditionnelle parisienne, on ne sait plus vraiment, mais par contre il y a des régions de France qui ont même, toi Benjamin tu connais bien les musiques occitanes du sud de la France, c'est avec des traditions assez vives, qui sont restées plutôt vives, non? Moi ce que je pense, parce que c'est le monde occitan, je l'ai observé pendant pas mal de temps avec beaucoup de bonheur,
Et je pense que c'est un territoire où il y a une vraie identité profonde qui a des siècles d'esprit et une langue très forte, un imaginaire qui est très ouvert. Et c'est cette ouverture qui est remarquable, en fait. Parce que quand on regarde l'histoire successive des générations de musiciens occitans, depuis les années 60-70, qui étaient peut-être dans un engouement qui venait du protestant américain. Ensuite, il y a une génération, dans les années 80, Massilia et Fabulous, qui avait le sens du territoire et de la recherche et du collectage, mais aussi une ouverture pour les musiques de Jamaïque, les musiques du Brésil. Et ils l'ont intégré de manière assez très homogène, très sincère et très naturelle. Après, il y a une autre génération, à la fin des années 90, particulièrement à Marseille, avec Le Corps de la Plana, Dupin, Gachor Pega, tout ça, qui a rajouté une autre ouverture qui était, elle, plus méditerranéenne, en prenant des instruments de Méditerranée, en amenant ça dans l'histoire, parce que c'est possible dans l'histoire de l'Occitanie, et ça a créé un mouvement. Et il y a effectivement une nouvelle génération, depuis 2000-2010, qui est aussi, par exemple, ils sont décomplexés, ils se sentent occitans avec une dombra, et ils ont des cultures qui ont grandi en parallèle, comme la culture... Ernest, il vient de la musique électronique, mais c'est pas le seul. Et en fait, cette culture populaire du bal, qui est toujours un petit peu active dans ces régions-là, elle est arrivée en même temps que ces cultures de musique urbaine. Et donc, il n'y a pas un moment à se dire, une pensée intellectuelle pour se dire, on va mélanger ces deux trucs-là, on va voir ce que ça donne. C'est naturel. C'est tout à fait naturel. Et c'est... Et c'est une suite qui est d'une logique assez implacable. Et moi, je suis breton, donc je connais un petit peu aussi la mentalité bretonne. Je pense que la situation proche de la Méditerranée, entre autres, par cette espèce de volonté de se démarquer, souvent de façon très, très ludique, de l'esprit du Nord conquérant, Paris, Il y a une espèce de bonne humeur à faire ça. Donc, c'est beaucoup plus simple de voir les choses évoluer parce que, justement, c'est un problème pour personne, sauf pour l'extérieur qui ne peut pas comprendre. Enfin bon, c'est mon point de vue. Ben, merci. Ben, en tout cas, voilà, on essaie de montrer toute cette diversité de langue pendant ces quelques mois jusqu'en décembre. Et on espère vous revoir aux prochains événements qu'on fait d'ici décembre. Ben, merci beaucoup d'être venu et à la prochaine.